Hey tout le monde les Starcrafters, aujourd'hui on se retrouve sur Rainbow Six Siege Black Ice sur PS4. Aujourd'hui on va faire une petite partie rapide, 15 minutes sans montage, car je vais vous proposer dans la prochaine vidéo que je vais faire, sympa sur un jeu normalement. Qu'est-ce que vous voulez d'autre pour la suite de la chaîne comme jeu? Avec tous les jeux que j'ai postés, Rainbow Six, Trackmania, Black Ops 3, j'aurai bientôt Uncharted 4. Oulala, 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 et oulala, 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 et tous les jeux qui sortent avant Warface, World of Warships, Amnesia, Just Cause 3. Dites-moi les jeux que vous voulez dans un ordre chronologique, enfin genre le premier Black Ops, le deuxième Amnesia, le troisième ça. Et dites-moi si s'il y en a que vous voulez plus, si y en a que vous voulez que j'en fasse un ajout. Genre la vidéo là que Squeezie a faite sur le jeu de YouTube. J'ai kiffé, vous allez me dire plagiat, 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 mais je m'en fous, moi j'ai pas d'idée et faut que je trouve des idées pour ma chaîne, ça va pas le faire. On va faire une chasse au multi, une chasse aux terroristes en normal, en matchmaking. Et aussi peut-être du Happy Wheels parce que je sais que c'est assez kiffant comme jeu. Donc voilà, dites-moi ça en commentaire. Donc là, Rainbow Six Siege, qu'est-ce que c'est? Un jeu de chez Ubisoft, de Tom Clancy's. Tom Clancy's. Ouais, c'est une série de jeux. Les Tom Clancy's, c'est une série de jeux juste d'attaque. Enfin, de combat moderne. Et là, on est chasse aux terroristes, en gros. Donc, je vais prendre Termite. Faut qu'on choisisse un gars, en gros, des services de police antiterroristes du monde entier. Il y a le FBI, le SWAT. Le FBI SWAT, plutôt, le SAS. Les Russes, je sais plus comment ça s'appelle. Les Allemands, je sais plus comment ça s'appelle. Et il y a maintenant Il y a le GIGN aussi, à gauche, regardez les montagnes, par exemple, c'est en français. Le deuxième en rouge, c'est allemand. C'est russe. Le troisième, c'est le FBI. Le plus gros cru, ça, c'est le de base. Et le termite, c'est le SAS. Il y a aussi les Canadiens qui sont en train de sortir. Mais bon, ils coûtent beaucoup trop cher, donc je ne peux pas les montrer. Donc, c'est quoi la chaîne de terroriste, donc on est 5. Et faut qu'on aille récupérer. Faut qu'on élimine tous les ennemis. Il n'y a pas d'otages là. C'est. On est sur des toutes petites cartes. Il y a des ennemis sur dans le bâtiment, il faut qu'on pénètre dans le bâtiment. On peut péter certaines surfaces. Là, par exemple, ça on peut pas. Ce qui est métallique ou les trucs comme ça, on peut pas. Et après, on peut faire ici par exemple. C'est ça, putain, j'ai eu chaud. Putain, ça pète. Bon, saute. Allez hop, on rentre. Putain, c'est chaud. Je suis entré un peu trop vite, je pense. Oh, vous qui vous faites chier. Bon, voilà. Et après, si on peut faire une équipe contre une équipe avec des otages, des bombes, à désamorcer, des otages à... des otages à faire évacuer. Et après, au fur et à mesure, on gagne des points, ce qui est marqué à droite, là, des points de renommée. Et après, on peut s'acheter des nouveaux personnages, des camouflages, des viseurs, tout ça. Protection d'otages. Ah, donc ça, c'est là. Donc là, on est en mode défense. Donc t'as... Donc oui, donc chaque groupe de terroristes a deux en attaque et deux en défense. Donc là, par exemple, j'ai pris un défenseur, c'est Rook, le GIGN. Bureau du PDG, on va faire. Et donc il y en a deux à chaque fois, deux par deux. Donc là il y a Doc et Rook, c'est les deux défenseurs du GGN. Ils ont deux attaquants qui sont Montagne et Twitch, je crois. Après il y en a deux russes, la Tachanka et Kapkan. Après ils ont deux attaquants et SAS pareil. Bref, et là on va devoir protéger un otage. On peut pouvoir renforcer des murs ou alors même poser des pièges. Putain, mais vous font chier! Bon bah désolé, je pourrais pas monter la vidéo aujourd'hui parce que j'ai pas le temps. Il faut que je la poste vite samedi soir, enfin vendredi matin plutôt, vendredi soir. Putain, je sais même plus quel jour on est. Donc voilà, on refait une chasse au terroriste en mode normal. Je suis niveau 3. Passer sur mon PSN qui est Dark 696 Shadow. Oula. Ouais, allez hop. Non, en fait, non. Pourquoi j'ai fait ça? On vire. Protection d'otage. Oh putain, j'ai jamais fait cette map là. On va reprendre Rook. Ah oui, un truc que j'ai oublié de dire.
chaque personnage. Oh putain, ça sent un bateau. Oh, c'est pété ça. Chaque personnage a un atout unique. Enfin, bon, à Rook, je donne un sac avec 5 gilets de blindage. Mute, je sais plus ce qu'il fait. Jaeger non plus. Tachanka, bah ça se voit, il pose une mitrailleuse de défense. Capcan, il pose des pièges. Oui, des pièges laser, je crois, qui pètent un truc du genre, parce que je l'ai pas. Par exemple, il y a Sledge, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, il y avait un Termite. Un Termite, c'est trop compliqué à expliquer. Et Sledge, il a une masse qui peut péter des murs avec. Et en défense, on peut monter des barricades en métal contre les murs. Et bah, Termite, il peut justement les défoncer grâce à une espèce de bombe qu'il a. Et il n'a que deux L'ennemi bombes, se donc il peut péter regroupe, que deux murs. sécurisez la zone. Hop, on est où là? Ok, donc là on peut barricader. Ça va comme ça. Bouge, on peut barricader. Fais chier. On va barricader quel mur? Ça? Non. C'est barricadable ça? Ouais, c'est barricadable. Donc tu fais tac. Et bon, c'est une barricade en fer. Incassable. Sauf qu'un mur, c'est une fille qui a 5 minutes. Tac. Insertion ennemie. Pour non désolé, là j'ai une tour pas de bruit, je joue mais pour l'instant ça aide pas. Alors à l'otage, y'a un otage ou pas en fait? Il y a un otage. On va mettre un bouclier déployable là. Des petits gilets. Et une caisse de ravitaillement, c'est magnifique. Voilà. J'ai rien fait. Un petit des caméras de la zone, hein, j'ai vu. Donc, tac. Tant qu'il spawn, on peut voir un petit peu tout ça. Insertion ennemie. Assurez la sécurité de l'otage. Ok. J'ai fini mon job. Non merde, c'est comment pour revenir? Voilà. Il reste 3 ennemis. Je verrai plus comme ça le jeu. Tac. Mute, hein, il a fait aucun aucune balle, je crois. Voilà, des... Ouais. Ennemi éliminé. Voilà, donc il y a aussi le tir allié qui est autorisé, enfin qui est actif sur le jeu. Si on tire sur les alliés, bah ça leur fait bobo. À l'abri. C'est ça que je lui passe pour moi, je sais. C'est comme ça, si on a des ennemis, on peut rester appuyé sur triangle et il nous dit la position de l'ennemi à l'endroit où on l'a vu. Je vois personne. Qui vient par là ou c'est moi? Ouais.
Dégage! Oh merde! C'est mis juste devant moi le bâtard! La menace a été éliminée. Sorry! Renforcez la zone, l'ennemi se regroupe. Désolé! 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 Mais désolé! Oh! Tu me tires dessus toi? Putain! Le rajout! Assurez la sécurité de l'otage. Porte fortifiée! On va faire une seule partie parce qu'il y a pas de d'autres. Ok. Ok, on barricade une dernière fois. La porte est renforcée. Allô. Bien joué. Ah, moi je recharge à ce moment-là, je suis un bâtard. Ok lol, aide à éliminer son... quand est-ce que je bute quelqu'un moi? Putain, mute, il a plus de vie. Trois ennemis restants. YOLO. Bien joué! Mission réussie! Mission réussie. On va braquer une dernière fois. Ok. Sans faute. Wouh! Bon, bah j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à une prochaine fois. Et tous, DarkCrafter, regardez-moi ça, je suis le dernier. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires ce que vous voulez, ce que vous voulez pas. Au déconnecté, c'est très bien, c'est bien pour lui. Dites-moi les jeux que vous voulez dans un ordre de préférence. Je vous dis à une prochaine fois. It was DarkCrafter.